Bonjour, bienvenue sur Eurobois. Nous sommes à Lyon, sur le plateau de la télévision de Bâti Journal. Et nous allons enchaîner nos rencontres avec un sujet sur. Nous allons parler du CLT, un système constructif. Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions techniques pour construire en bois. Parmi elles, donc le CLT, qui est promis un bel avenir, semble-t-il. CLT pour Cross Laminated Timber en anglais, bois lamellé croisé en français. Pour voir où en est ce système en France aujourd'hui, nous avons autour de nous plusieurs invités. Donc Jean Piveteaux, vous êtes président de Piveteaux Bois, basé en Vendée. Un petit mot sur Piveteaux Bois. Oui, effectivement, nous sommes une scierie basée en Vendée et notre métier est de fabriquer des composants pour la construction et l'aménagement extérieur. Merci. En résineux. Merci. À côté de vous, Thierry Varachaud, vous êtes chargé d'affaires au FCBA. Tout petit mot sur FCBA, même si je pense que beaucoup de gens le connaissent. Bien, FCBA est le centre technique industriel de la filière bois. Donc pour faire très simple, notre mission est d'accompagner les entreprises de la filière dans leur développement. Donc on intervient principalement au niveau des produits sur la technique. Et vous êtes basé à Grenoble. Le siège est à Paris, à Champs-sur-Marne. On a les laboratoires également à Bordeaux pour tout ce qui est lié au bâtiment. Et moi-même, je suis basé à Grenoble. Merci. Stéphane Vive, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe Monessève. Quelques mots sur votre Alors le groupe Monessève, c'est en fait c'est la solution bois aujourd'hui. C'est une première transformation avec des scieries, 5 scieries en France aujourd'hui, qui transforment 850 000 m3 de bois. Et également de la seconde transformation avec deux usines, donc de lamellé-collé et de CLT, donc sur le territoire français. Tout ça avec du bois français. Et fier de l'être. Très bien, on va en reparler. Jean-Claude Baudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Charpente Sénoman, qui est située dans la Sarthe. Quelques mots de présentation sur votre entreprise. Oui, donc l'entreprise Charpente Sénoman, c'est une entreprise de 50 personnes qui sévit à peu près sur tout le territoire, mais plus particulièrement en région parisienne, dans tous les métiers de la construction bois, pavillon individuel, ERP... Restauration du patrimoine ancien, tout, à peu près tous les métiers. Plusieurs secteurs, donc. Voilà. Et enfin, Émeric Ledoux, vous êtes chargé d'affaires chez Lignatech. Un mot sur Lignatech ? Alors, juste pour présenter KLH, qui est un fabricant de contrecollés autrichiens. Et Lignatech est la cellule française technique et commerciale pour KLH. Très bien, merci. Alors, je vais commencer avec vous, Thierry Varachaud. Le CLT, vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est rapidement, et puis est-ce que c'est un matériau d'avenir ? Alors le CLT, pour faire très simple, je vais caricaturer un petit peu en disant que c'est comme un contreplaqué, mais avec du bois massif. Donc on va avoir des planches qui vont être mises ensemble, croisées d'un pli sur l'autre, ce qui va donner de la stabilité et des performances mécaniques très intéressantes au produit. Ce qui en fait donc un produit de structure par essence. C'est un produit qui est très bien maîtrisé au niveau technique, donc très apprécié au niveau de la prescription et des calculs pour calculer les ouvrages. C'est un produit qui est aussi de mieux en mieux encadré au niveau réglementaire. J'invite les professionnels à consulter le guide RAGE, RAGE comme règle de l'art du Grenelle environnement. Donc c'est un guide qui a été édité très récemment sur ce produit. Il y a également en travail un cahier des prescriptions techniques. Il y a une norme qui est en préparation, qui est un petit peu bloquée pour l'instant, mais qui va finir par arriver. Donc c'est un produit qui est de plus en plus maîtrisé au niveau technique et au niveau réglementaire. Tout simplement parce que c'est un produit qui se développe, parce que c'est un produit qui va permettre à la filière bois d'aller sur de nouveaux marchés. On a parlé tout à l'heure des bâtiments grande hauteur. C'est le matériau d'excellence pour ce type de construction. Donc, matériau d'avenir, oui, c'est évident. On retrouve tous les intérêts du bois en tant que piège de carbone, circuit court, produits locaux. C'est un matériau qui se développe. Alors, il y a peut-être quelques freins, quelques points sensibles à évoquer malgré tout. Oui, alors on travaille bien sûr toujours pour améliorer les produits. On retrouve encore actuellement des freins en termes réglementaires liés à la vêture,
à l'enveloppe donc du bâtiment. C'est des réglementations incendie et étanchéité à l'eau principalement. On travaille aussi beaucoup sur le transfert de vapeur, donc qui va être un petit peu plus pointu dans les bâtiments à grande hauteur, où il faut absolument maîtriser ce transfert de vapeur, sachant que dans la construction bois, on a des façades composites. On va juxtaposer plusieurs matériaux et la combinaison de tous ces matériaux ne fonctionne pas comme chaque matériau pris individuellement. Donc il est important de le maîtriser. Mais voilà, un centre technique comme le FCBA est là pour accompagner les entreprises et maîtriser justement des points très techniques, très pointus comme celui-là. Est-ce qu'on peut faire du CLT avec n'importe quelle essence ou est-ce qu'il y a des essences qui sont plutôt plus adaptées que d'autres ? Alors, actuellement, le CLT est fait avec du résineux, uniquement du résineux. On travaille, il y a des projets de recherche en cours pour faire du CLT avec des feuillus, tout simplement parce qu'en France, on a plus de feuillus que de résineux et le marché demande plus de résineux que de feuillus. Donc, à un moment donné, ça ne colle pas. Donc on travaille pour faire du CLT en feuillu, mais on va être confronté à d'autres problèmes techniques, à savoir que les feuillus ne se sèchent pas et ne se collent pas comme les résineux. Et puis le coût final du produit va être hors du marché. Enfin, pour l'instant, c'est le cas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, on y travaille. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est du résineux quasiment à 100%. Merci. Émeric Ledoux, donc vous, c'est du CLT résineux, forcément ? Oui, tout à fait. On fait de l'épicéa et on peut également avoir du pain sylvestre. Vous êtes une entreprise qui est historiquement bien connue en matière de CLT. Depuis combien de temps ? Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans. 15 ans et 15 ans en France également ? Oui, 15 ans en France parce que le produit a plus de 20 ans. Plus de 20 ans et 15 ans en France. Donc vous avez un peu de recul, on va dire, aujourd'hui sur ce produit. Vous l'avez amélioré, j'imagine, sur ces 15 années. Ce qui a surtout changé, ce sont les marchés. Parce que lorsqu'on a commencé à introduire le CLT, qui à l'époque, on parlait encore de KLH, sur le marché français, c'était quand même un produit anecdotique. Et on a commencé à faire des petits chantiers de la maison et petit à petit le marché s'est développé et on a fait des constructions de plus en plus grandes. Aujourd'hui, vous avez combien de volume ? Ça représente combien de volume ? Aujourd'hui, on est entre 10 000 et 12 000 mètres carrés par an. D'accord. Jean-Claude Baudin, justement, oui. Ce produit, vous le connaissez bien, vous l'avez mis en œuvre sur plusieurs projets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quel est le retour vous avez ? Eh bien, nous, ça a commencé, l'aventure, elle a commencé il y a quelques années. En fait, on a réalisé un chantier emblématique au Palais Royal. Et en fait, je pense que ce chantier, objectivement, il n'aurait jamais pu se faire autrement qu'en CLT, à condition qu'on veut si on veut le faire en bois. Et de toute façon, on ne pouvait le faire qu'en bois, puisque c'était un théâtre éphémère. Il était là en place pour un an et ensuite, il fallait le démonter. Donc on a quand même réussi à faire un théâtre de 750 places dans le Palais Royal. Puis ensuite, on l'a démonté. Il a été remonté. Il est actuellement à Genève. Donc ça, c'est vraiment, je pense... C'est le point fort du CLT ? Oui, je pense. Enfin, bon, on ne va pas faire tous les bâtiments démontables, évidemment. Mmh. Mais je pense qu'en tout cas, là, ça correspondait vraiment aux produits. Et on a pu le faire grâce à ça. Et puis ensuite, nous, on a eu l'occasion de faire plusieurs bâtiments, y compris un R+6 déjà en région parisienne, qui d'ailleurs était un mixte entre le CLT et le Saturbois. Mais il y avait... Bon, je pense qu'effectivement, le CLT, c'est un produit qui convient très bien dès qu'on a besoin de monter en hauteur, dès qu'on a besoin de stabilité et de faire passer des efforts importants. Clairement, le Saturbois ne peut pas se positionner. Et puis j'ajouterais que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est intéressant, c'est que c'est un produit qui est très stable. Et quand on monte des bâtiments, il pleut souvent, quand même. Et actuellement, on en monte un à Paris, là. C'est avec un bailleur social parisien, dans Paris, un R+3, et il pleut. Et effectivement, ça inquiète les gens, et en même temps, on leur dit, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est un produit qui est stable, même s'il mouille...
il va sécher et surtout la stabilité dimensionnelle n'est pas altérée. Ça, c'est fondamental. Est-ce qu'au sein de votre entreprise, l'utilisation du CLT, le développement du CLT, ça a engendré des besoins de formation de votre équipe ou comment ça s'est passé? Le grand saut, ça a été ce chantier de la Comédie Française. Donc là, on a beaucoup appris. On a été clairement épaulé par l'entreprise KLH, pour ne pas la citer. N'ayons pas peur des mots. Je crois que c'est des gens, en tout cas, qui ont œuvré depuis 15 ans. Maintenant, il y a du CLT français qui va arriver, tant mieux, etc. Il y a une compétition, mais de toute façon, si le CLT en est là où il est, à mon avis, aujourd'hui en France, c'est certainement grâce à leur travail. Donc on peut leur rendre hommage là-dessus. Je pense que là-dessus, toute la profession est unanime. Mais ça ne suffit pas, évidemment, il faut continuer. Il faut faire attention parce que je pense que moi j'ai rencontré des maçons et je vois bien que, alors je parle pour ma profession, hein, de charpentier, hein. Je pense que si on ne fait pas attention, effectivement les maçons ils ont vite compris que en gros ça remplaçait la banche béton. C'était accessible pour eux finalement. Ouais, ça leur paraît accessible mais à mon avis ils ont intérêt à embaucher des charpentiers. S'ils veulent pas avoir des gros ennuis. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Ça nécessite débat, quand peut-être. Même des compétences particulières. Oui, absolument. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, vous parliez de CLT français, justement, on y vient, avec Stéphane Vive. Chez Monessève, vous avez un produit qui oui. est sorti, je crois, qui a obtenu un avis technique fin 2015. Non, 26 mars 2015. C'est ça. Donc, un produit qui s'appelle le PLX. Exactement. Vous pouvez nous en dire un peu pour plus. Panneau lamellé croisé. Ouais. Exactement. Écoutez, oui, en fait, nous, l'aventure a commencé. Effectivement, on a suivi ceux qui savaient faire les choses et qui ont inventé les choses. Et je suis d'accord avec vous, il faut rendre ce qui est à César. Et KLH a beaucoup participé au développement de ce produit, de ce matériau. Donc nous, on l'a suivi avec intérêt, hein, au travers de évolutions, puisqu'on était scieur, on est devenu lamelliste. Et puis maintenant, effectivement, on fait également du panneau. Donc effectivement, ça a commencé il y a 3 ans. Hein, donc on a commencé par faire des petits chantiers, des maisons. Hein, effectivement, pour pouvoir avoir un avis technique, il a fallu qu'on monte un certain nombre, on va dire, de logements, de types de logements. Donc ça nous a permis d'obtenir un avis technique expérimental, hein, qui est l'étape obligée. Et puis aujourd'hui, donc, nous allons avoir... courant donc début de cette année 2017, donc l'avis technique, le vrai avis technique, si vous voulez, qui couvre notre CLT à nous, le PLX. Donc aujourd'hui, ça nous a permis de monter des bâtiments jusqu'à 3 et donc un 4 étages qui va être réalisé sur 2017. Donc voilà, petit à petit, on évolue et on a appris à savoir maîtriser ce matériau qui est très très stable. Effectivement, c'est son avantage premier, hein, qui permet justement au bois. Eh ben de prendre de la hauteur. Et ça, c'est vachement important parce qu'on était très limité. 2-3 étages, après, il y a des problèmes de stabilité. Donc ça, c'est une sacrée évolution. Et ça permet justement au marché bois construction de se développer et par le haut, puisque c'est dans cette direction que va notre démographie, hein, qui se développe, et surtout dans les villes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un frein dont on n'a pas parlé, qui est le feu, mais qui aujourd'hui... qui ne m'inquiète pas plus que ça, puisque de toute façon, aujourd'hui, il faut savoir que le matériau où il y a le plus de contraintes au feu aujourd'hui est celui qui est le plus utilisé pour les bâtiments de grande hauteur, qui est le métal. Donc on est arrivé à trouver, on va dire, des alternatives. Donc de toute façon, il y en aura également pour le CLT. Je rentre du Japon, ils commencent à le développer et à l'utiliser pas mal, parce que eh ben, effectivement, pour tout ce qui est contraintes sismiques aussi. Parce que contrairement au béton, on évolue. Donc, effectivement, du bâtiment de hauteur en CLT. Donc voilà, petit à petit, bon, on a un peu le petit poussé, on avance petit à petit. On va arriver à peu près à 2000 m3 de CLT, on va dire, vendus sur l'année 2016. Donc c'est une bonne évolution. On double chaque année. Bon, mais après, il faut apprendre à maîtriser ce matériau qui est fabuleux et qui va permettre vraiment, je pense, au bois, comme je dis, à prendre de la hauteur... et à être davantage utilisé, et pas uniquement les 3 petits cochons. Maintenant, on va faire des vraies maisons où le loup il pourra souffler un paquet de temps dessus et ça ne tombera pas. Est-ce que pour mettre en place ce produit chez vous, ça a nécessité des investissements au niveau du process industriel, des équipements nouveaux? Bien sûr, alors des investissements. Alors, on est déjà lamelliste, si vous voulez.
Aujourd'hui, on fait 43 000 mètres cubes de lamellé collé, donc on a déjà tout l'amont, la scierie, les séchoirs, tout ça. Donc effectivement, il a fallu faire des aménagements complémentaires, des investissements complémentaires. Donc on va dire, une fois qu'on avait le produit à bouter, presse de CLT, et puis après, effectivement, machine de taille spécifique pour tailler ce type de panneau, puisque on va dire, même si on a des machines de taille au sein d'usinage existant, ils n'étaient pas adaptés pour faire ce type de produit-là. Donc effectivement, des investissements, et puis un investissement aussi humain, parce que pour avoir un avis technique aujourd'hui, c'est quasiment un an à un an et demi de travail, hein, pour avoir un avis technique expérimental. Et c'est à partir de ce moment-là où vous pouvez commencer à faire un peu ce pourquoi le CLT est fait, un peu de surélévation. Et puis après, bah, effectivement, deux ans, vous avez deux ans pour passer directement en avis technique, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc un investissement à la fois machine, hein, mais aussi humain, parce qu'il bah, faut apprendre à connaître. On est devenu des spécialistes aujourd'hui. Alors, on n'est pas aujourd'hui niveau de KLH, mais on a créé aussi un logiciel spécial qu'on peut donner à nos clients et qui permet à nos clients ou aux prospects de pouvoir dimensionner un produit en CLT, ce qui n'est pas aujourd'hui habituel. Hein, les gens savent tous dimensionner avec, on va dire, des poutres en, on va dire, en lamellé collé, hein, ou du BMR, ou même en massif. Mais le CLT est quand même un produit particulier et le dimensionnement en est particulier. D'accord. Très bien, merci. Jean Piveteau, alors le CLT chez vous, c'est pour quand? Le CLT, c'est pour bientôt. Donc, comme je disais tout à l'heure, chez Piveteau, on commercialise à peu près 300 000 m3 de bois, dont 60% à destination de la construction, avec des bois d'ossature, du lamellé collé aussi, à hauteur d'une quarantaine, 40 000 m3 à peu près, et du bardage. Maintenant, le CLT arrive dans le paysage grâce... C'est vrai, je rejoins les collègues pour vous avez bien fait le de travail. Venir. Non, mais c'est vrai, c'était des précurseurs. Ils ont fait avancer le matériau bois dans la construction. Et aujourd'hui, chez Piveteau, on pense que le CLT est vraiment un matériau d'avenir. Hein. Je vois que c'était le thème. Est-ce un matériau d'avenir? Oui, c'est vraiment un matériau complémentaire par toutes les caractéristiques qui ont été données avant par les collègues sur sa stabilité. Un produit complémentaire au lamellé collé, au BMR, pour faire de la construction et prendre des parts de marché dans la construction. On voit bien aussi que le marché de la construction, il est en train de se développer beaucoup vers les logements collectifs. Donc là, le bois a tout son sens. Le CLT encore plus, puisque comme on le disait tout à l'heure, il va pouvoir aller nous aider à aller conquérir deux étages, trois étages. Il va y avoir les projets avec Asivbois de grande hauteur qui vont lancer tout ça. Donc on se dit qu'aujourd'hui, chez Piveteau, c'est grand temps d'investir dans le CLT. Donc on est en train de préparer l'investissement. On travaille sur l'avis technique depuis presque un an maintenant. Et normalement, un début de production pour début 2018. Donc on peut s'attendre à quel type de produit? Est-ce qu'il y a une spécificité à votre CLT? Est-ce que... Non, c'est des produits relèvement standard. Comme disait le FCBA, c'est des produits qui sont en train de se normer. Par contre, il sera proposé en épicéa, en pin et en Douglas. Donc on a la chance en France d'avoir cette belle essence qui est le Douglas. Et il y a de la demande pour du CLT en Douglas. D'accord, très bien. Donc on aura plusieurs essences, du coup. Thierry Varachaud, là-dessus. Oui, on est toujours dans des résineux, hein, mais effectivement, l'intérêt de pouvoir présenter des essences différentes va être de varier par rapport à la demande du marché. Peut-être aussi jouer sur le côté esthétique, même si le CLT est avant tout un produit technique de structure. L'esthétique peut être aussi utilisée. Et on parlait tout à l'heure dans les bâtiments à grande hauteur du confort et de la prise en compte de l'usager. On retrouve là aussi cette notion de vision globale du bâtiment pour satisfaire un usage et un confort des occupants. Jean-Claude Baudin, du coup, vous aurez plus de choix à l'avenir? Vous aurez plus de choix pour le CLT? Pas qu'une seule marque, excusez-moi. Ça vous conforte dans l'idée qu'il faut le mettre en œuvre, pour continuer à le mettre en œuvre? Vous avez d'autres projets à venir? J'en ai pas beaucoup maintenant en carnet de commandes parce qu'on vient de réaliser deux projets là, c'est moi qui ont précédé. Mais oui, clairement, je pense que de toute façon, nous, on continuera à utiliser ce matériau, c'est évident, parce que, comme on l'a dit, il est de plus en plus présent sur des projets techniques et des projets exceptionnels. Et ça, c'est vraiment ce qui va bien à l'entreprise, puisqu'on est vraiment sur des projets différents. Donc on est à R+6 déjà, ce qui est assez rare en France actuellement, même si là il va y avoir plein de projets de tours qui vont se monter, donc on va s'accrocher aussi là-dessus. Mais oui, c'est intéressant,
Effectivement, on peut penser que nous, on est attentif à notre bilan carbone. Donc, si effectivement, on est aussi attentif au bois français, puisque on est dans une démarche continue d'amélioration où on est passé de 20% à 50% d'achat de bois français. Donc, clairement, le fait que des industriels français soient capables de nous proposer du CLT français, ça va forcément nous intéresser. Ouais. Oui, c'est une réelle avancée. Très bien. Bien, merci messieurs de votre participation. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, au revoir.